Hello, hello, Miss Amores. Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux ou heureuse toute seule. Je suis vraiment très, très contente ce matin parce que ce rituel que je t'apporte, c'est un rituel vraiment magique, fantastique, qui va te réjouir durant toute l'année. Ce mois de janvier, je vous présente des rituels qui va vous booster durant toute l'année, qui va te booster durant toute l'année à faire. Ok? Donc, c'est un rituel de vœux, de tes vœux pour l'année, de ce que tu souhaites toi durant l'année. D'accord? Ça se fait avec du vin rouge. Voilà, n'importe quel vin rouge. Hein? Donc, tu vas prendre ton papier blanc type cartouline. Quand je dis type cartouline, je veux dire le type, le genre qui est dur. Mais après, si tu veux, tu peux prendre du format. Il n'y a pas de souci, mais je t'informe que le format, elle va s'émietter. Merci aux nouveaux et anciens abonnés. Et toi, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi pour joindre cette belle communauté. Voilà, donc nous allons commencer notre rituel. En première, ton papier, comme j'ai dit, tu vas écrire ici là, moi belle Claire. Ben, je te demande pas d'écrire moi belle Claire. Et tu écris ton nom, je te dis comment tu vas faire. Moi belle Claire, en cette année nouvelle. Numéro 1, je souhaite ou je désire me marier. Tant, 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 tant. Je souhaite ou machin avoir un bon travail. Comme ça, tu vas écrire 10 vœux. 10 vœux sur ton papier. Et à la fin, tu vas mettre ainsi soit-il. Là, c'est du bitiakalabobé que j'ai fait juste pour te montrer. Donc, je répète. Tu prends ton papier. Évidemment, tu vas couper les quatre bords, comme j'ai dit. Type cartouline, c'est le meilleur. Ou encore même ton format, mais je te répète que le format, elle va s'émietter après. Donc, tu vas commencer, moi, Jeanne-Marie, moi, Chantal, moi, ce que tu veux, Grégoire Marron, Marignon, moi, Cana Boiteux, ce que tu veux, franchement, ton nom, c'est ton nom que tu vas mettre là-bas, pas le nom de Belle Claire. Ensuite, tu dis, en cette année nouvelle, numéro 1, tu écris ce que tu veux, numéro 2, voilà, ainsi de suite, jusqu'à 10 vœux seulement. Je dis bien 10, pas plus. Et à la fin, tu vas mettre, ainsi soit-il. Il faut être vraiment concrète dans tes demandes. Sois concrète dans tes demandes. Bien sûr, j'ai failli oublier, pour ce rituel, tu dois allumer une bougie blanche. Une fois que tu as terminé, comme c'est ce que nous voulons pour nous, c'est ce que tu veux pour toi, pas pour rejeter, tu vas commencer à plier à partir de ton nom à l'intérieur, comme ceci. Ok? Tu vas venir le rouler. Tu roules. Voilà. Ensuite, tu vas prendre ta bouteille de vin. Ce n'est pas pour se saouler la gueule. Ah oui. Tu vas ouvrir ou ouvert. Tu ouvres ta bouteille de vin. Et là, tu vas venir introduire. Tu vas venir introduire ton papier. On doit vraiment prendre la peine de le rouler bien, bien pour qu'elle puisse entrer dans ta bouteille. Ok? Je vais essayer de le mettre. Donc, lorsque tu vas ouvrir ton vin, retire d'abord au moins un verre ou un demi-verre. Un demi-verre sur ton vin. Et ensuite, donc, tu vas mettre tout le papier jusqu'à ce qu'elle entre dans ta bouteille. Et ensuite, tu vas refermer avec son bouchon. Ton papier de vœux à l'intérieur. Tu fermes ta bouteille avec son bouchon. Tu vas le garder pendant 3 jours.
Pendant 3 jours, tu le gardes. Le quatrième jour, tu viendras prendre ta bouteille. Tu vas verser le contenu dans ton seau de purification ou dans ta bassine de purification. Ensuite, pendant que tu verses, tu vas faire sortir le papier de l'intérieur. C'est pour ça que je disais, fais attention parce que si c'est le format, elle s'émiette. OK? Parce que chez moi, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je te conseille type cartoline, mais blanc. Blanc, pas vert comme je mets, blanc. Donc, tu fais sortir ton papier et si elle s'émiette, il n'y a pas de souci. OK? Tu vas mettre ton papier de côté. Et ce vin-là que tu as versé dans ta bassine de purification, tu vas te laver avec en faisant tes vœux. Tu te laves avec ce vin. De la tête, quand je dis de la tête, c'est des cheveux parce que tes cheveux font partie de ton corps. De la tête aux pieds, en faisant tes vœux, en parlant, bien sûr, bien sûr. Et accompagné de ta bougie blanche auquel tu as fait le rituel. Tu parles, tu parles. Une fois que tu as terminé, bien sûr, tu laisses sécher ton corps tout seul. Et le papier que tu as retiré dans ta bouteille, même si elle est émiettée, il n'y a pas de souci. Je dis bien, même si elle est émiettée, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu vas faire de ton papier de vœux? Tu as 2 options. La première option, tu la laisses sécher. Et après, tu vas ramasser ou tu vas le prendre tout simplement et le garder dans ton porte-monnaie. Et si elle s'est émiettée, tu le mets tout simplement dans un pochon blanc ou rouge et tu vas le porter toujours avec toi dans ton porte-monnaie, dans ton sac, je ne sais pas, tu le mets quelque part là-bas. Deuxième option, tu récupères tes vœux, tu vas l'enterrer, tu enterres tes vœux où? Dans un endroit fleuri, sous un arbre fruitier, sous une rose, oui, mais que ça ne soit pas une rose avec des épines. Que ça ne soit pas une fleur avec des épines. Donc, tu l'enterres sur un endroit qui va t'apporter quelque chose. Tu peux toi-même acheter une tomate, un vase de tomates comme ceci, que tu mets dans ton balcon ou encore de l'aloe vera, tu mets sur ton balcon ou sur ta terrasse ou n'importe où et là-bas, tu vas enterrer tes vœux et tu l'as avec toi à tes côtés. Fais-le avant la fin de ce mois. Ton rituel, c'est toi. Bonne chance à tous. À très bientôt. Belle.